Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau podcast concocté pour vous par l'équipe de l'association Des mots et débats. Retrouvez nos actions, nos événements et nos vidéos sur notre site internet desmotsetdebats.fr, sur notre compte YouTube, notre page Facebook et sur notre compte Instagram, tous au nom de Des mots et débats. Dans cette série de podcasts, nous avons choisi de nombreux thèmes, petits ou grands, et autour desquels nous aimerions, durant une bonne demi-heure, vous faire nos propositions culturelles, en espérant que cela vous aidera à mieux saisir le thème, de s'endormir un tout petit peu moins con, peut-être, mais surtout en faisant de beaux rêves. Et pour cet épisode 2, nous avons choisi de parler du rire. Rire aux éclats, se pisser dans le froc même, rire jaune, rire à la dérobée, rire sous cape, rire au nez, rire aux larmes, rire de bon cœur, rire nerveusement, avoir le fou rire, bref, mille nuances de rire, les dents découvertes ou le rictus aux lèvres. Et comme d'habitude, pour mener l'enquête, je suis entouré de la crème des chroniqueurs, à laquelle, puisque notre podcast est encore jeune, que tout le monde ne vous connaît pas, je vais faire l'offense de demander de se présenter rapidement une nouvelle fois. Et pour cela, je me tourne d'abord vers Cyrielle Bétheny. Salut Cyrielle. Bonjour à tous, je m'appelle Cyrielle, j'ai 23 ans, je suis vice-présidente de Démos et Débats et je viens de terminer mes études en validant un master de gestion de projets culturels. Autour de la table, on compte aussi la présence de Pascal Didier. Salut Pascal. Salut, je suis président d'association et j'arpente les routes de l'Est de la France pour parler de livres aux libraires. Merci Monsieur le Président. Et enfin, je plante mes yeux droit dans ceux de Corentin Pribilski et lui demande de décliner son identité. Déjà, je suis toute chose depuis que tu plantes tes yeux droit dans les miens. Mais donc, je m'appelle Corentin, je suis toujours trésorier de l'association et je n'ai pas changé de métier, attaché parlementaire. Quant à votre serviteur aujourd'hui, il s'appelle Paul Didier, il est étudiant, il préfère rire sans pince que l'inverse, a le vin rieur mais le rhum en grippe, il vous tire son chapeau et vous propose dès maintenant de partir à la recherche du rire. En tout cas, tout ça prouve qu'on peut rire de tout et pas avec n'importe qui. Hein ? Effectivement. Et on va commencer tout de suite avec Corentin. Qui va nous présenter un drôle d'objet, il va nous le décrire, ça s'appelle dans tous les cas Reflet d'acide. Oui, en effet, Reflet d'acide, c'est une saga MP3 ancrée dans un monde d'heroic fantasy. Alors une fois qu'on a dit ça... C'est quoi ? On a dit à la fois beaucoup et pas grand chose, je suis d'accord. Donc la saga MP3, ou série audio, c'est un genre qui s'est popularisé dans les années 2000 à la faveur de la démocratisation d'Internet et dans le sillage des jeux de rôle sur plateau. Autant dire que c'est quelque chose qui a pas mal fait son creuset dans les enthousiastes de la technologie, les bons gros geeks, si vous voulez. Bref, le pionnier qui connaîtra en premier un vrai et un grand succès populaire, c'est le donjon de Nahalbuck. Mais de mon point de vue, toute ma jeunesse, le véritable chef-d'œuvre du genre, c'est Reflet d'acide. Le pitch de Reflet d'acide est assez simple. Une équipe d'aventuriers, stéréotypés selon leurs habiletés techniques et leur race, un nain agressif, un elfe vif et lâche, un semi-démon et un élémentaire de feu, vont entreprendre une vaquette qui les mènera de forêts en rivières, d'ogres en minotaures et finalement d'embûches en galères. Là où le génie de la chose se trouve, c'est que l'intégralité, ou presque, du texte est en alexandrin, ou du moins rimé et rythmé comme de la poésie. Il faut donc imaginer une conversation permanente entre 5 ou 6 personnages, tout en alexandrin, et littéralement truffé de blagues, de jeux de mots, d'assonances, d'allitérations et de références qui, même en l'écoutant plus d'une dizaine de fois, ce que je dois bien avouer avoir fait, vous s'échapperont forcément. La force de Reflet d'acide, c'est que, alors que la proposition de base peut faire un peu peur, les références et l'humour sont universels. Pop culture, classique, récente, ancienne, parfois même biblique, tout y passe. Et c'est ça qui est beau. Reflet d'acide, c'est pour tout le monde, ça fait rire tout le monde. Mmh. Et comme toutes les productions extrêmement drôles, je pense notamment à Kaamelott, on se reconnaît entre fans relous en glissant des citations dans la vie de tous les jours. Et où est-ce qu'on peut aller écouter Reflet d'acide ? Notamment sur le site de Reflet d'acide, et c'est
potentiellement disponible sur Spotify, Deezer et toutes les plateformes, mais principalement sur le site de Reflet d'Acide. Je ne connais absolument pas, je vais découvrir ça rapidement, ça donne très envie. Et puis ils font du son comme nous, donc ce sont un peu nos frères maintenant, nos collègues effectivement. Et bah, très bien, Cyrielle, tiens, on t'entend. Et tu vas nous présenter quelqu'un qui est cher à notre association, c'est Fab Caro, et pas n'importe lequel de ses livres. Oui, j'ai choisi Formica, une tragédie en trois actes, qui est parue en 2019. Donc, effectivement, choisir Fab Caro pour parler du rire, c'est pas prendre beaucoup de risques, puisque c'est un grand classique de l'humour absurde. Mais, au milieu de toutes les références BD et romans de Fab Caro, on peut s'y perdre, puisque toutes les recettes ne sont pas forcément gagnantes. Avec Formica, une tragédie en trois actes, on retrouve justement ce qui, selon moi, fonctionne le mieux pour Fab Caro. Une BD d'humour absurde, certes, mais sous un format histoire, une histoire qui est tenue tout au long de l'album et qui quitte le format une histoire, une planche qu'il a pu faire plusieurs fois dans, par exemple, Open Bar. Ici, se déroule une scène des plus banales, un repas de famille. Mais le problème, c'est qu'il ne trouve pas de sujet de conversation. Vous en doutez, c'est le drame. Il passe par tous les sujets politiques, racistes, la pluie, le beau temps, mais rien n'y fait, cette famille est perdue. Donc Fab Caro reproduit ce style qui lui va si bien, d'un humour absurde et décapant qui suscite un rire à chaque page. C'est une lecture qui, selon moi, donnera le sourire à tous les amateurs du genre. Ce qui est formidable avec Fab Caro, en fait, c'est que le simple fait d'évoquer l'histoire, enfin, ouais, ça fait un petit moment que j'ai pas lu Formica, on se remet complètement dans les fous rires qu'on a chaque fois qu'on est. C'est même pas une planche, c'est une vignette. Chaque vignette de Fab Caro déclenche un fou rire immédiat, quoi. Ouais, ouais. Moi, je suis particulièrement fan de « Et si l'amour s'était aimé ?» Ou « Zaï, Zaï, Zaï », par exemple, qui a été un succès énorme en librairie. Il a aussi des romans, dont l'un, le discours, vient d'être adapté au cinéma. Et Broadway également. Effectivement. Voilà, c'est une œuvre riche. Si vous ne connaissez pas Fab Caro, allez-y immédiatement. Si vous aimez l'humour absurde, normalement, ce sera votre cam. On va passer à un autre type d'humour avec toi, Pascal. Mais là, ce sont des maîtres. Ce sont des maîtres. Laurel et Hardy. Alors, je vais vous avouer quelque chose qui est vraiment pas drôle. C'est que j'ai largement dépassé la cinquantaine, contrairement à vous trois. Et que quand je suis né, l'année de ma naissance, Oliver Hardy était mort depuis déjà 5 ans. Et il restait 2 ans à vivre à Stan Laurel. Laurel et Hardy, le duo se crée en 1927. Presque un siècle, ouais, bientôt un siècle. On pourra d'ailleurs peut-être, en 1927, fêter le centenaire du duo Laurel et Hardy, en 2027. 25 ans de carrière, une centaine de films ensemble, des courts et des longs métrages, et quelques-uns qui sont restés, évidemment, dans je vais en citer quelques-uns, La Bohémienne, Laurel et Hardy au Far West, Les Compagnons de la Nouba, Tête de pioche, Laurel Hardy conscrit, Les Montagnards sont là. Et Laurel Hardy, je pense qu'autour de cette table, on a tous forcément ri au moins une fois à Laurel Hardy. Je pense que c'est un duo qu'on continue aujourd'hui à regarder, en noir et blanc ou colorisé. Et un rire de toutes les générations, un fou rire de toutes les générations. Et récemment, j'ai testé Laurel et Hardy sur mes petits-enfants qui ont 7 ans et des poussières et 4 ans et demi. Et voilà, ils étaient devant la télévision, devant Les Montagnards sont là. J'étais en cuisine en train de préparer à manger et à un moment donné, je les ai entendus exploser de rire. Ouais. C'est devant une scène mémorable où Laurel est tombée au sol dans la neige. Il y a un immense Saint-Bernard qui est là avec un tonneau de schnapps autour du cou. Et Laurel a repéré ça et il appelle le chien « À l'aide ! À l'aide ! À l'aide !» Et voilà, à chaque fois que le chien part, il revient « À l'aide ! À l'aide !» pour que le chien puisse lui donner un petit peu de schnapps. Il y a une autre scène où ils sont sur une espèce de passerelle vacillante en train de porter tous les deux un piano entre deux falaises. Et en train de tomber, et là aussi d'entendre Émile et Otto, là aussi exploser de rire.
Voilà, c'est incroyable comment des sketchs, des formules, des expressions qui ont été inventées il y a plus des dizaines et des dizaines d'années, bientôt un siècle, continuent à fonctionner avec autant de... Mais enfin, comme on lit Rabelais aussi. Effectivement, effectivement. Je dois avouer que je suis très client, peut-être parce que j'ai été élevé là-dedans, de Laurel et Hardy. On va partir chez quelqu'un d'autre qui aussi, je pense, nous fera toujours rire dans un siècle. Il s'appelle Pierre Desproges. Que choisir dans l'œuvre de Desproges ? Je me suis dit que j'allais peut-être vous faire découvrir un tout petit livre qui n'est pas très connu de lui. C'est un livre qui s'appelle « Les étrangers sont nuls ». Qui est le recueil de ses textes publié dans Charlie Hebdo en 1981 et qui est paru aux éditions du Seuil, illustré par les dessins du génial Edika d'ailleurs. Dans ce petit livre, par petites entrées de une ou deux pages, Desproges règle son compte avec un humour décapant à 28 nationalités différentes dont il joue des préjugés, toujours avec finesse, et il s'occupe des Français bien sûr, ne vous inquiétez pas. Ça montre une chose, ça montre qu'on connaît le génie de Desproges sur scène, d'ailleurs à peu près tout est sur YouTube, en libre accès, mais il est aussi vivace à l'écrit. Vous allez passer parmi les moments les plus drôles, les plus jouissifs de votre vie si vous lisez Desproges, et c'est dur d'être drôle à l'écrit. C'est probablement le meilleur remède à ceux qui voudraient régler son compte au racisme seulement par le premier degré, et qui interdirait aux non-concernés de parler des problèmes de haine qui concernent en fait l'humanité tout entière, quelle que soit l'entité sur laquelle cette haine se pose. Mais je vais préférer... allez, c'est très difficile de se mettre dans la bouche du Pierre Desproges, mais vous lire deux extraits. D'abord l'entrée sur les Chinois. Alors, les Chinois sont extrêmement nombreux. On peut évaluer leur nombre à beaucoup. Penchons-nous sur un Chinois moyen. C'est facile. Le Chinois moyen est tout petit. Qu'observons-nous ? Le Chinois moyen est exactement comme un Japonais. On ne peut absolument pas distinguer un Japonais d'un Chinois, c'est vraiment pareil. Les deux sortes de Chinois sont les Chinois communistes, qui mangent des enfants, et les Chinois nationalistes, qui mangent des conserves saupiquées si ça se trouve. Comment reconnaître un Chinois nationaliste d'un Chinois communiste ? C'est impossible, on dirait des Japonais. Et puis ensuite, une entrée sur les Anglais. Voilà, on va choisir un voisin plus proche. Alors que le porc et le français sont omnivores, l'anglais mange du gigot à la menthe, du thé à la menthe, voire de la menthe à la menthe. Les deux caractéristiques essentielles de l'anglais sont l'humour et le gazon. Sans humour et sans gazon, l'anglais s'étiole et se fane et devient creux. Il tond son gazon très court, ce qui permet à son humour de voler au ras des pâquerettes. Comment reconnaître l'humour anglais de l'humour français ? L'humour anglais souligne avec amertume et désespoir l'absurdité du monde. L'humour français, lui, se rit de ma belle-mère. Exemple de flemme britannique. Quand une bombe de 100 mégatonnes tombe dans sa tasse de thé, l'anglais reste plongé dans son journal et dit « Hmm, ça se couvre ». Quand il se met à bander, l'anglais reste dans sa femme et dit « Hmm, ça se lève ». Voilà. J'espère que ça vous a au moins donné envie d'aller découvrir les 28 autres nationalités, et encore, ces chroniques sont bien plus longues, auxquelles Desproges règle son compte. Mais voilà, bon, c'est extraordinaire. Je sais donc quel livre je t'emprunterai en partant d'ici. Et Desproges, ça ne vieillit absolument pas. Il faudrait écouter les minutes nécessaires de Monsieur Cyclopède, les tribunaux des flagrants délires. Enfin, moi, j'ai eu la chance de le voir sur scène. C'est extraordinaire, quoi. C'est pour moi un des plus grands humoristes du XXe siècle. Alors, on va continuer en parlant d'un film cette fois-ci avec toi, Cyrielle. Un film de Quentin Dupieux qui s'appelle Le Daim. Oui, je choisis Le Daim comme j'aurais pu choisir de nombreuses œuvres de la filmographie de Quentin Dupieux. Mais cette fois-ci, j'ai choisi donc ce film qui est sorti en 2019 en salle, à l'époque où elles étaient ouvertes. Jouant de l'humour absurde pour raconter des histoires inattendues et poussées à l'extrême, le réalisateur n'en est pas à son coup d'essai avec Le Daim, où nous suivons Georges, un quarantenaire, qui quitte son travail pour pouvoir s'offrir une superbe veste à franges que le vendeur lui cède avec un caméscope numérique. Il est très fier de son achat, il est convaincu que ça lui confère un charisme incroyable. Il commence à se filmer au quotidien en se mettant en scène avec ce manteau et il rencontre par hasard Denise, une serveuse, qui s'y connaît en montage. Il décide alors de s'inventer une nouvelle vie. Maintenant, il est réalisateur de films à succès, il est à la tête d'une grosse production et il est en repérage pour son prochain tournage.
et promet à la jeune femme qu'il l'embauchera comme monteuse de sa future création. S'ensuit évidemment des péripéties au second degré parfaitement maîtrisées, un film qui fait rire le spectateur autant qu'il le perd, tellement Dujardin parvient à être convaincant dans son rôle de quarantenaire déphasé et complètement à côté de la plaque, qui est amoureux de sa nouvelle vie fictive, quitte à s'enfoncer dans des mensonges sans queue ni tête. Le film ne dure qu'1h17, mais le temps juste pour ce film très spécial, qui ne plaira sans doute pas à tout le monde, mais qui en fera rire beaucoup, qui se révèle aussi captivant qu'intrigant. Oui, enfin, merci. Moi, je effectivement, voilà, Dujardin, enfin, dans ce rôle-là ou dans OSS 117, enfin, voilà, je trouve qu'il a, il a une capacité de déclencher, là aussi, un humour assez incroyable, quoi. Oui, je suis d'accord. Et Quentin Dupieux, de manière générale, aussi, d'ailleurs. Moi, j'ai pas vu les autres films de Quentin Dupieux, justement. Je vous conseille Réalité, notamment. Au Poste est sympathique, mais peut-être un peu moins que Réalité, c'est vrai. En tout cas, c'est un humour absurde, absolument extraordinaire. On va continuer avec toi, justement, Corentin, avec cette fois-ci un jeu vidéo. Oui, donc... Qui s'appelle The Stanley Parable. Justement, là où Cyrielle disait qu'elle ne prenait pas beaucoup de risques avec Fab Caro, je m'aventure en terrain un peu plus inhabituel pour trouver et surtout décrire de l'humour. Donc, alors... Au milieu des shooters tostéronés, des jeux de simulation, de gestion, d'exploration et de survie, bref, de la magnifique variété qui fait le jeu vidéo, débarque The Stanley Parable. La parabole de Stanley, donc, nous fait incarner Stanley, un employé de bureau payé à appuyer sur les touches de son clavier en suivant les ordres qu'on lui envoie par ordinateur. Un matin, il se rend compte qu'on ne lui envoie plus de commandes, il se lève et découvre que tous ses collègues ont disparu. Et voilà, c'est là qu'on prend les rênes de Stanley. Guidé par une voix off qui deviendra vite on, le joueur, qui se confond vite également avec Stanley, pourra faire des choix, ou pas, pour suivre ou non les indications qu'on lui donne. L'originalité réside dans la non-linéarité de l'histoire, tout simplement parce que dès qu'on arrivera à un bout de l'histoire, elle va recommencer en prenant en compte ce qui s'est déjà passé. Et c'est là que l'humour le plus absurde que j'ai pu voir en jeu vidéo va pouvoir émerger, tout simplement avec cette voix qui va se mêler, devenir humaine, exprimer ses émotions, quelque chose qu'on n'attend pas du tout d'une voix off. Et forcément, j'ai un peu de mal à décrire cet humour, mais c'est quelque chose qui va tellement nous prendre à contre-pied que ça va forcément nous faire rire. Bah, merci. Alors, juste de manière très pratique, comment ça se joue, où on le trouve? Alors, ça se joue sur PC. Ouais. On le trouve sur Steam et je n'ai pas vérifié si on le trouve sur GOG. C'est une 20aine d'euros de mémoire. Merci. Vous êtes toujours avec Démo et Débat à la recherche du rire. Et on continue avec toi, Pascal, avec un livre encore d'un auteur qui s'appelle Yann Lespou et son roman Presqu'île. Alors, c'est pas un moment très facile dans ce podcast parce que je voulais vous raconter que quand j'allais en vacances chez ma grand-mère dans les Vosges, j'aimais bien dormir, aller me coucher le soir parce que je dormais à côté d'une vierge. Oui, enfin sur. Je veux dire sur la table de nuit. Il y avait une vierge, vous savez, une vierge phosphorescente. Que ma grand-mère avait ramené de Lourdes. Ma grand-mère allait tous les ans. Je crois qu'il y avait à peu près la même. En pèlerinage à Lourdes. Et c'était formidable parce que quand on éteignait la lampe, la Vierge s'allumait. Et je me suis souvenu de ça en relisant justement le livre de Yann Lespou parce qu'il y a aussi une Vierge phosphorescente qui apparaît. Alors, juste de te corriger, Paul, c'est pas un roman, ce sont des nouvelles, ce sont des textes courts. Il paraît qu'en France, on n'aime pas lire des nouvelles. Je vous recommande ce livre incroyable. Il faut tordre le cou à ce cliché. Presqu'île, c'est des tranches de vie. Il y a, en plus de la vierge phosphorescente de la grand-mère sur la table de nuit, il y a des bottes en caoutchouc, il y a des forêts, il y a des parties de pêche, il y a des coins champignons, il y a des girolles, des chanterelles, un chevreuil dépecé. Comme ça, il y a des bouts d'existence, des personnages qu'on a tous croisés un peu dans notre vie. C'est un livre assez percutant, parfois un peu sombre, un peu noir,
sensible, grinçant, qui parle de la vie et qui parle, c'est une autre forme d'humour, c'est l'humour noir qui est dans ce livre. Et on rit ou on sourit très souvent. Enfin, il y a en tout cas plein de moments intérieurs à la lecture de ces textes incroyables qui font déjà qu'on se remémore des moments de vie qu'on a vécu, qu'on a tous vécu forcément, et que ça déclenche effectivement un rire salvateur. Mais merci pour ces conseils. C'est aux éditions Agulot. Ça vient tout juste de sortir en librairie. Et je vous promets que vous allez adorer. Eh ben, on va vous suivre. En tout cas, moi, je vais te suivre dès la fin de cette émission. Alors, quant à moi, j'aimerais monter sur les planches, tiens. Puisque c'est possible dans notre émission. En parlant des spectacles de François Rollin. El professeur. J'aimerais d'abord attirer votre attention sur le fait que tous les sketchs du professeur Rollin, ainsi que la plupart de ses spectacles, sont en intégralité sur YouTube, donc gratuit. Il suffit de taper le nom du susnommé, François Rollin, et de pouvoir accéder à une grande partie de son œuvre extraordinaire. Alors pour beaucoup, le professeur Rollin, c'est le comédien de Kaamelott, tu l'as cité tout à l'heure, Corentin, ou l'homme de palace sur Canal pour les plus âgés, je tourne mon regard vers Pascal, mais c'est surtout un homme de scène de génie, un génie de l'humour absurde. Alors je conseille surtout son spectacle François Rollin se re-rebiffe, où il répond comme à son habitude aux questions qui ont été adressées au professeur Rollin, et ça va lui permettre, via cet humour absurde, de traiter frontalement de sujets très complexes. Il parle d'identité, d'islamisme, de racisme, il parle de l'enfance, de la vie conjugale, de notre pauvre humanité. C'est pas quelqu'un qui va seulement vous raconter ses vacances au ski, quoi. C'est un vrai humoriste. En cela, je pense qu'il dit jamais ce qu'on a envie d'entendre et qu'il arrive pourtant toujours à nous faire éclater de rire. Donc voilà, le jour où ce sera de nouveau possible, ruez-vous dans les spectacles du professeur Rollin. Je vous promets que... Enfin, il y en a un autre, je crois, à cette table qui a déjà été le voir sur scène, mais vous ferez littéralement dessus et que vous partirez en plus de la salle beaucoup moins con. Donc voilà, les spectacles de François Rollin. Alors, tu évoquais tout à l'heure Palace. Moi, je voudrais juste rappeler aussi, avant Palace, dans les années 80, une émission que on peut en retrouver, qui s'appelait Merci Bernard, qui avait été initiée par Jean-Michel Ribes, avec Topor, Cavana, des proches déjà, Roland Giraud, Jacques Villeray, Ronnie Couteur, Claude Pieplu et pas mal d'autres. Et puis François Rollin, bien avant tout ça, son premier groupe, là aussi dans les années 80, et Thionville s'en souvient puisqu'ils sont passés dans la région, c'était un groupe, ils étaient quatre sur scène, ils s'appelaient Tchouk Tchouk Nouga. Là aussi, allez réécouter, vous pouvez écouter Tchouk Tchouk Nouga. François Rollin était à la flûte à l'époque, et c'est des grands moments, et je vous promets que Tchouk Tchouk Nouga sur scène, vous passiez 1h30 explosé de rire. Voilà, donc Rollin, ça va de Tchouk Tchouk Nouga dans les années 80 jusqu'aujourd'hui à être dans la bande d'Alexandre Astier et Édouard Baird, donc ça dit bien à quel point son humour a traversé les époques. Et on va continuer en musique. Toujours. Cette fois-ci avec toi, Corentin, qui veut nous parler d'un rappeur, Lorenzo, un rappeur breton. Donc je vais vous parler de ton album Sex in the City. Donc avant, je vais vous présenter un peu Lorenzo. C'est un rappeur donc breton qui s'inscrit dans une école de rap qu'on pourrait qualifier de second degré, voire de parodique. En ça qu'il pousse les codes de ce qu'on appelait à une époque le gangsta rap, cette mouvance de rap promouvant sexe, drogue et violence, jusqu'à ici donc l'absurde. Après une mixtape intitulée « Empereur du Sale », qu'il a fait connaître notamment avec le titre « Freestyle du Sale », puis son premier album « Rien à branler », qui a confirmé son succès avec « Carton rouge » et « Bizarre » en feat avec Vald, Lorenzo signe un deuxième album intitulé « Sex in the City », qui est toujours clairement dans son style, mais peut-être un peu plus personnel. Il y fait, au milieu de l'injurieux poussé à l'extrême et donc à l'absurde, de nombreuses références à la pop culture des années 90 avec Power Rangers et MBK Rocket, où il décrit l'adolescence des jeunes élevés au scooter débridé. Lorenzo, c'est quelqu'un qui fait sérieusement de la musique où rien n'est pris au sérieux. Et c'est ça qui, pour moi, le différencie du n'importe quoi. Sous l'apparence d'un grand n'importe quoi, justement, c'est extrêmement travaillé, drôle, farci d'ingéniosité et de créativité. Pour l'apprécier, on est d'accord, il faut accepter le total lâcher prise et savourer un objet musical qui vaut le détour.
c'est extraordinaire en soirée, Lorenzo. Effectivement. Et c'est déjà un look, hein, quand même, avec ce oui, bob sur le la bob, tête, les lunettes, la petite moustache. Non, il y a vraiment beaucoup de choses. Une façon de parler. Mais je vous invite à découvrir, effectivement. C'est un artiste qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui est très. Oui, c'est clivant. C'est pour ça qu'il faut vraiment, comme je le dis, accepter. Oui. Et puis, voir à la fin. Et découvrir avec l'esprit ouvert. Effectivement, on va rester avec toi, Cyrielle, pour aller cette fois-ci dans les bibliothèques. Hein. C'est un peu plus. Avec, encore une fois, ton goût du risque. Avec une BD qui s'appelle Dialogue et qui est signée Caribou. C'est ça, je reviens encore une fois à mes BD d'humour absurde, mais je n'ai pas résisté à vous présenter Dialogue de Caribou, une BD qui est sortie en 2017 aux éditions Tapas. C'est une BD d'humour absurde. Qui reprend les héros, les mythes antiques, comme les contes populaires, autour de dialogues imaginés par l'auteur. Des dialogues absurdes, anachroniques, qui jouent justement de ces héros et de ces icônes qu'on pensait pourtant bien connaître. Lire dialogue, c'est se prêter au jeu de l'absurde qui peut pousser ses figures jusqu'au ridicule, avec par exemple un Robin des Bois pas si honnête, un César qui connaît mal ses conjugaisons, ou un Achille qui s'apitoie et qui pleure sur son sort à cause de son talon sensible. Tout le monde y passe. C'est une BD drôle et surtout très originale qui permet de découvrir ou redécouvrir les mythes et les contes classiques sous un angle tout à fait inattendu. Mais merci beaucoup pour cette proposition de lecture que je ne connaissais pas encore et que je vais aller découvrir. Alors quant à moi, mon dernier choix culturel aujourd'hui, c'est une petite série. Enfin petite, il y a beaucoup d'épisodes, mais les épisodes durent une vingtaine de minutes chacun. Une série qui s'appelle Brooklyn Nine-Nine, qui raconte la vie d'un commissariat de police de Brooklyn, à New York. Alors vous suivrez les aventures du trublion Jack Peralta, de l'impassible capitaine Holt, de la bonne élève Amy Santiago, ou encore du bon pote, hein, Charles Boyle, sont des personnages évidemment très stéréotypés, mais dont les aventures finissent par nous toucher et nous faire terriblement marrer. On peut dire aujourd'hui qu'elle a acquis le statut de comédie culte, et pas seulement parce qu'elle a reçu en 2014 le Golden Globe de la meilleure série télévisée comique. C'est par l'humour qu'on découvre un peu mieux les personnages, comme si parfois le rire atteignait dans sa splendeur la vérité des êtres. Alors que c'est un rire plutôt potache, un rire grossier, on arrive parfois à une finesse des sentiments. Donc on rit sans se prendre la tête, sans chercher le pourquoi du comment, on rit. Ça fait du bien, ça me fait penser un peu au Laurel et Hardy, c'est peut-être Laurel et Hardy 100 ans après. Et je dois avouer que je voulais mettre cette série dans ma liste parce qu'elle a participé au maintien de mon état mental lors du deuxième confinement, alors que je suis un peu plus difficile. Et je suis pas le seul apparemment. Oui. En fait, à la base, j'étais un peu réticente à regarder cette série puisque je suis vraiment pas fan de séries policières et je pensais que ça allait tourner autour de ce thème-là. Et finalement, ce qui reste, ce qui est au-dessus du reste, c'est l'humour, c'est les relations entre les personnages. Et c'est des personnages qui sont presque caricaturaux, tellement ils ont des caractéristiques très particulières. Holt est toujours impassible, alors que ça le rend hyper drôle. Plein de personnages comme ça. En fin de compte, ce qui compte, c'est l'humour et les personnages, c'est pas la relation policière en elle-même, mais ça s'introduit bien dans les épisodes. Et surtout, ce que j'ai envie de souligner, c'est que malgré les 7 saisons... 7, 8 ans en tournage, quelque chose comme voilà, ça. Voilà, 7 ou 8 saisons, l'humour reste le même, le niveau reste le même, c'est agréable du début à la fin. Oui, et pour moi, c'est surtout une série qui a réussi à réinventer et à remasteriser presque le principe de la sitcom qui avait piqué avec Friends et qui s'était un peu fatigué avec le temps. Bon, How I Met Your Mother avait réussi à faire quelque chose de somme toute correct, et personnellement, j'avais pas du tout aimé The Big Bang Theory. Et là, on a finalement, de la même façon, toujours la même situation qui revient avec des évolutions au cours des saisons, mais avec beaucoup plus de légèreté que les séries dont je viens de parler. Et en effet, c'est juste hilarant. On vient pour l'enquête, on reste pour les personnages. En tout cas, ça m'a fait cet effet. Vous pouvez trouver cette série sur Netflix tout sûr, sur MyCanal aussi, et probablement sur d'autres plateformes. Sur MyCanal aussi ? Sur MyCanal, elle y est, je crois. Et on va enfin finir avec toi, Pascal, et de nouveau un spectacle, celui de Sophia Aram. Alors, ceux de Sophia Aram. Alors, Sophia Aram, elle fait partie de cette génération d'humoristes passés, arrivés par la voix de Radio France, la voix de France Inter. Alors, je vais pas citer de nom, mais
tous ne sont pas drôles une fois. Mais Sophia Abraham, moi, fait partie des gens que je trouve assez brillants, brillantes. Sophia Abraham, c'est à la fois l'écriture, l'intelligence, quelque chose d'extrêmement malicieux, d'extrêmement joueur sur scène avec le public ou à la radio avec les invités, avec les personnages, qu'elle imite l'accent marocain de sa tante Fatia ou qu'elle prenne les manières de Ludivine de la Malbaise, par exemple. Voilà, c'est une petite bonne femme assez, assez extraordinaire. Qui, on parlait des proches tout à l'heure, mais qui, quelque part, n'est pas si éloigné que ça de des proches, dans le sens où je trouve que ça fait partie des... Et je pense que c'est important, en humour, d'aimer les gens qu'on a en face, d'aimer le public et ne pas être cette forme d'humour qui serait quelque chose d'irrespectueux de balancer comme ça gratuitement sur... voilà, Sophia Abraham n'est pas comme ça. Moi, je l'ai vue 3-4 fois sur scène dans les différents spectacles. Crise de foi qui a tourné assez longtemps, qui est un spectacle où elle s'en prend aux trois grandes religions. Elle qui se déclare athée. Le fond de l'air est frais. Et puis le plus récent, À nos amours, qu'on aurait presque pu mettre dans l'épisode 1 sur l'amour. Je crois que maintenant, chacun des spectacles de Sophia Abraham, j'essaierai d'aller la voir sur scène, parce qu'effectivement, elle fait partie des gens dont l'humour, j'allais dire l'amour, l'humour me touche infiniment et me fait vibrer les zygomatiques de manière assez positive. Merci beaucoup. Et ben voilà une belle ode culturelle pour survivre en temps de crise. Oui, je pense ne plus revenir parce que j'ai pas le temps de tout écouter, mais j'ai envie de tout écouter. Il me reste à vous remercier toutes et tous d'avoir suivi notre émission. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous et que le rire a occupé un peu votre chez vous. Retrouvez-nous sur notre site desmotsetdebats.fr ainsi que sur Facebook, YouTube et Instagram, tous au nom de Des Mots et Débats. Merci à vous, Cyrielle. Merci. Merci Corentin. Merci à tous. Merci Pascal. Merci Paul. Merci à Jacqueline Mangin pour l'appui technique et à tous nos fous rires d'hier, d'aujourd'hui et de demain qui nous font nous sentir vivants. À très vite. Vive le rire. Ciao. Ciao. Salut.